night clubbing. We're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing. We're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild? Merci, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont voté pour moi. J'ai rien préparé, je m'y attendais pas. Un set d'or, franchement, on a beau dire, ça fait plaisir. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe sans qui je ne serais pas là ce soir. Excusez-moi si j'en oublie. Je voudrais profiter d'être là pour vous dire que lunettes... Noir pour nuit blanche, c'est votre artichaut bien au chaud du samedi soir, bonsoir. Dans la série Dinosaures pas morts, mieux Dinosaures records, voici les Temptations. En direct du paradis, selon Gordy, Berry pour les intimes, des riches heures de la Tamla, les Temptations. Expensive restaurants. Well, all that is nice to have, but that's not what I want. All I ever wanted in my life. Is. I look for character to see what she's about. And you got those qualities, that's why I checked you out. You're all I ever wanted in my life, baby. Oh, 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 oh. Love to keep me warm on moonlit nights. All I ask is for you to treat me right. Hey! From you, oh, baby. Les Temptations, la série noire continue avec Isaac de Boncollet et avant Black Box. Interview anti-ethno-différentialiste, mais sans prise de tête, ses lunettes. Alors Isaac, comment on peut faire l'amour avec un ex sans se fatiguer? Il faut le laisser faire. Il marche le film à part ça?
Il marche moyennement, c'est-à-dire qu'il y a eu, je sais pas, un genre de rejet comme ça un peu de la part de la presse en général. Faut dire que bon, c'est un titre qui est un peu osé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le film. Enfin, c'est le titre d'abord que j'ai entendu qui m'a, qui a retenu mon attention. Et puis après, j'ai rencontré le mec qui a fait le bouquin. La Ferrière, qui est un mec adorable. Donc on a essayé de monter l'opération. Deux ans après, le film s'est fait. Et pour moi, si tu veux, le plus important, c'était que ce film existe. Mmh. C'est l'histoire de deux mecs qui vivent dans un quartier de Montréal. Et il y en a un qui se prend pour un écrivain, donc qui essaie d'écrire ses fantasmes. C'est le personnage que je fais. Et puis l'autre, c'est un personnage qui est un peu celui qui reste allongé. Il pratique la drague immobile. C'est-à-dire qu'il lit Freud, le Coran, le jazz et un peu, il donne des conseils. C'est un conseiller. Ton truc sur la sexualité, laisse-moi te dire, ça vaut pas. Ah bon ? Attends, je vais t'expliquer. Écoute, supposons que voici la négresse, d'accord ? Pardon, la blanche. Le nègre et le blanc. Dans l'échelle des valeurs occidentales, la blanche est inférieure au blanc et supérieure au nègre. Je suis pas d'accord avec toi. Eh, c'est pas avec moi qu'il faut être d'accord ou pas. Hein. Oh, tu crois que j'aime ça, moi, être au bas de l'échelle? Ok, vas-y, dis. D'accord, croissant, décroissant. Donc la blanche étant inférieure au blanc, il n'y a qu'avec le nègre qu'elle peut prendre son pied. Comment ça? C'est pas sorcier. La blanche doit faire jouir le blanc. Mais c'est le nègre qui fait jouir la blanche. Avec lui, elle peut aller jusqu'au bout. C'est selon ta place dans l'échelle de la société. D'où le mythe du nègre grand baiseur. Et la négresse, celle qui la fait jouir? Justement, personne. Elle est au bas de l'échelle. Elle doit à la fois faire jouir et le nègre et le blanc. Je crois pas à ce que tu viens de dire. Pour moi, nègre et blanc, c'est pareil. On dit toujours les hommes préfèrent les blondes. Est-ce que les blondes préfèrent les noirs? Il faut demander aux blondes. Non mais toi, tu devais en savoir quelque chose quand même. Non mais je pense que c'est comme tout phénomène de contraste. Il y a une attirance. C'est comme les ions. Ouais. Les positons et les gâtons, c'est normal, ils s'attirent. Donc c'est peut-être des choses comme ça. Mais je pense plus que c'est des mythes. Ça relève du mythe. Du cliché, quoi. Du cliché. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'adore les Italiennes qui sont beaucoup plus brunes. Quand même que les Norvégiennes. Alors, il y a une autre femme dans ta vie, c'est celle à qui tu as fait deux enfants, qui est une styliste... Avec qui on a fait deux enfants. Ouais. Oui. Mais t'es d'accord quand même. Ah oui, oui, oui. C'est une styliste. C'est une styliste belge. Ouais. Qui vit à Bruxelles. Elle vit à quelques kilomètres de Bruxelles. Ouais. C'est ma compagne depuis une dizaine d'années. Ah bon? Oui. C'est une affaire qui dure, dis-moi. Disons que je suis un mec qui croit aux gens. Quand les gens porte de l'attention et porte de l'amour. C'est une fille que j'ai rencontrée quand je travaillais dans un bar. Au Diable des Lombards. Au Diable des Lombards, exactement. Ah bon? Quand t'étais plongeur. Oui, quand j'étais plongeur. Ouais. Et on s'entend très bien et je pense que ça durera encore. Mais quand tu vas chez, je sais pas, chez tes parents à Abidjan, Côte d'Ivoire, comment est-ce que ta famille reçoit le fait que tu débarques là-bas avec une blanche? Ça doit poser aussi des problèmes, non? Peut-être plus même, je sais pas. Disons que c'est vrai que de mon côté, c'était, il y avait plus de problèmes que de son côté. Ah, tu vois. C'est là-bas que c'est le plus dur. Oui, là-bas, c'est très dur. Il faut dire que ma mère n'étant pas lettrée, comme on dit, donc elle est encore plus en... Bon... Ils sont commerçants, tes parents. Oui, ils sont commerçants. Et il y a certaines choses qu'elle a du mal à comprendre. Mais maintenant, le fait d'avoir deux enfants, je crois que ça, le seul problème maintenant, c'est qu'il faut qu'elle soit qu'elle se convertisse à l'islam. Alors, on t'a vu tout l'été dans toute la presse à cause du film de Gérard Houry. Oui. C'est une star, là. Ça y est. Oh, star. Ah, si. C'est une très bonne idée, en plus. J'aimerais bien avoir le compte de star, le compte en banque de star. Ça va arriver avec Sabine Azéma, ça va être formidable, ça. Non, mais c'est vrai que le projet de Gérard, c'était un projet magnifique parce que c'était vraiment... D'abord, au départ, le projet était proposé à Michel et à Deneuve. Et Michel, c'est un ami. Et Michel puis, Blanc. Michel Blanc, pardon. C'est ça qui est drôle. Et après, on propose à un noir. Et alors? Et pourquoi pas? La preuve, c'est que j'ai fait le film. On s'est très, très bien entendu. Et je crois que ce serait un très, très grand film. Quand on dit de toi que tu es le Eddie Murphy français, ça te fait quoi? À ton avis? C'est flatteur, oui. Pas pour moi. Ah bon? Non. Pourquoi?
Parce que j'aimerais bien que, qu'il y ait des journalistes qui puissent dire à Eddie Murphy qu'il est les Jacques des Bancolais français. Tu t'appelles pas deux Bancolais en fait, c'est toi qui as mis deux, non? Oui, j'ai mis deux parce que ça me plaisait un jour pour ça de rajouter des c'est comme particules. C'est comme Princesse Erika, quoi. Oui, Princesse Erika, je veux dire, il y en a qui s'appellent Tony Hallyday. C'est un plan sapeur un peu quand même, non? C'est un plan un peu. Disons, c'est un frime, plan. Non, c'est pas un plan frime, c'est un plan plutôt pour voir un peu où en était cette société occidentale dans ses rapports avec les colonies. Ouais. Et moi, ça me plaisait bien. Ouais. Alors, t'aimes pas quand on dit black, toi hein? Parce que tu dis que c'est une façon. Je crois que black, c'est un terme usité, c'est un terme importé des États-Unis. Je crois que c'est une façon de masquer les choses. Je sais pas, je t'ai apporté un petit. Par hasard, comme moi, j'ai apporté un extrait d'une définition du mot nègre qui était dans un dictionnaire, le Petit Larousse, édition 1886. Et la définition qu'il donne, c'est homme, femme à peau noire. C'est le nom donné spécialement aux habitants de certaines contrées de l'Afrique, de la Guinée, de la Sénégambie, etc., qui forment une race d'hommes noirs, inférieure en intelligence à la race blanche, dite race caucasienne. La coloration de la peau paraît être due, chez les nègres, à l'influence du climat. C'est une modification acquise qui devient transmissible et héréditaire. Mais il est généralement reconnu qu'une famille nègre transplantée dans un climat, dans notre climat, arrivera à la couleur blanche après quelques générations et sans mélange de races. Tu vois, c'est insensé. Ouais. Ça date pas de longtemps, il y a un peu plus d'un siècle. Ouais. Et c'est vrai que je préfère aujourd'hui le mot nègre. Ça tout dépend de comment c'est utilisé, dans quel contexte, dans quelle situation. Si c'est dit d'une façon sympathique, tu peux faire nègre. Oui, je préfère nègre, parce que même des gens comme Aimé Césaire, des gens comme Senghor, c'était le chantre de la négritude. Ouais, tout à fait. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui, on est francophone et il y a des mots qui existent pour appeler les races. Je vois pas pourquoi on va aller chercher des mots américains. Je n'ai rien contre les Américains, je me retrouverai aux États-Unis, je dirais black. Mais je suis en France, je préfère nègre. Et cette mode des nègres, good par exemple, t'en penses quoi de tout ça? Le 14 juillet avec des blackies. C'est good. Non, mais je crois que c'est bien un moment, je veux dire, comme toute mode, il y a une fin. Ouais. Et il faut pouvoir aller au-delà de la mode. Et quand par exemple tu rentres au Carlton en 88, quand tu étais à Cannes pour ce chocolat, et que le mec, il y a du baston à l'entrée, tu réagis comment? C'est le mépris ou c'est la haine? C'est même pas la haine, c'est une sorte de déception. Ouais. De déception d'une civilisation, d'une société qui m'a appris des choses, qui a appris des choses à ma race, à ma culture. Bon, je suis héréditaire comme ça. Et de voir que, en fait, j'ai été berné. En fait, j'ai été berné par des gens qui ne sont pas eux-mêmes forts à l'intérieur. Et aujourd'hui, quand on n'est pas fort à l'intérieur, je crois qu'on est appelé à disparaître. On devient agressif quand on n'est pas fort, oui. Oui, on devient agressif et je crois qu'il ne faut pas répondre par l'agressivité parce que moi, je l'ai fait il y a 15 ans quand j'étais à Paris, mais ça n'a pas résolu les problèmes des Noirs, ni même mes problèmes. Et je crois qu'il faut passer outre ça. Et c'est bizarre parce que tu me parles de la mode. C'est vrai que quand je marche dans Paris, en ce moment, je vois des pubs et dont personne n'en parle, ne parle, qui sont des pubs de United Colors of Benetton. Je trouve, il y en a une en particulier qui est une femme noire, qui allait être avec un bébé blanc. Quand on ne voit pas le visage de la femme, je trouve que c'est carrément abject comme publicité. Je veux dire, c'est indécent, c'est même pas digne de cette société-là. Tu vas retourner un jour là-bas? C'est une utopie. Ouais. Je veux dire, l'idée du retour est quelque chose, je crois, qui a longtemps fait défaut, en tout cas fait beaucoup de mal à la communauté noire africaine qui s'est expatriée, qui est venue en Europe. Parce que tout le temps, les gens, même quand ils voulaient pas se l'avouer, si tu veux, ils se disaient qu'ils vont rentrer. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas vivre convenablement là où ils étaient. Et je crois que c'est un danger de vouloir à tout prix rentrer. Il faut vivre bien là où on est, c'est tout. T'es un nègre de la diaspora, quoi. Moi, je suis un négropolitain. Je crois que c'est le mot. Il y a des nègres africains, il y a des nègres américains. Et moi, je suis un négropolitain. Trotsky a quitté la tête de son hit parade et il joue à reconnaître les premiers du top 50 au blind test. A-t-il retourné sa veste? Niet. Julien Drey. Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Député PS de l'Essonne. Oui. Pied noir. Oui. Et revenu en 65, pourquoi pas en 62? Parce qu'entre 62 et 65, mes parents sont restés en Algérie, donc je suis resté avec eux. Vous croyez qu'ils pouvaient rester? Ils pensaient à l'époque qu'ils pouvaient rester. Et pourquoi ils ne sont pas restés? Parce qu'il y a eu des débuts de poussée d'antisémitisme à ce moment-là en Algérie, et donc ils ont préféré rentrer en France. Quand tu étais à la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Krivine, est-ce qu'il t'est arrivé dans les années 60
de défiler bras dessous avec Michel Rocard? Pas bras dessous parce que j'étais un militant de base. Donc ouais. Les dirigeants étaient en tête et les militants de base étaient derrière. Vous étiez dans les mêmes défilés quand même. On était dans les mêmes défilés. Lui au PSU et vous à la LCR. Voilà. On devait même fusionner pour faire une grande organisation commune. Et quand tu le rencontres aujourd'hui dans son bureau? On est dans le même parti. Ouais. Ça crée des liens ou il te vous voit par exemple? Ah, il vous voit. Il te vous voit. Il vous voit camarade, non, il vous voit monsieur. Il vous voit monsieur le député. Ah d'accord. Après, tu as été vice-président de l'UNAFID. Oui. Tu as fondé SOS Racisme. Tu as un peu bon, le poil à gratter du PS, le trouble fait, le trouble consensus. Pendant la grève des infirmières, on t'appelait le baron noir. C'est-à-dire, on supposait que c'était toi comme ça qui attisait le feu. Et c'était peut-être pas complètement faux, Romain. Non, il s'est trouvé qu'au moment où la grève des infirmières a commencé, j'ai été un des premiers députés à dire que je pensais qu'elles avaient raison de descendre dans la rue. Tu peux rappeler combien elles gagnent, les infirmières? Elles gagnent environ 6 000 francs par mois. Voilà. Donc, demander à l'époque 2000 francs d'augmentation, et puis elles étaient prêtes à l'étaler dans le temps, je ne pense pas, vu le métier qu'elles font, que c'était ridicule. Donc j'ai dit cela, et puis, bon, comme j'étais un des seuls qui le disait dans le groupe parlementaire socialiste à ce moment-là... Bah, t'es devenu baron noir. Voilà. Et ben voilà. Alors, à ce moment-là, tu as été convoqué, plus ou moins, disons, à Matignon, dans le bureau de monsieur Huchon, et tu as retrouvé sur le bureau de ce monsieur une conversation téléphonique que tu avais eu avec la chef de la coordination des infirmières. Donc, on avait écouté ton téléphone. Non, moi, j'ai pas été convoqué. C'est des journalistes ouais. qui ont eu des relations avec, à l'époque, Matignon, et qui, ouais. effectivement, à qui on a donné un certain nombre de détails qui montraient que des informations avaient été transmises. Tu avais été écouté. J'ai laissé un point d'interrogation. Disons que les informations étaient précises. Est-ce qu'il y a un orchestre rouge d'anciens Trotskars? Parce qu'on dit toujours Trotskar un jour, Trotskar toujours. Hein? Est-ce qu'il y a un orchestre rouge d'anciens Trotskars qui comme ça, cherche à noyauter le PS, à noyauter le président pour le... Non, c'est comme tu le dis, c'est des anciens Trotskars, ouais. la plupart. Mmh. Alors bon. T'es plus Trotskar là? Non, parce que Trotsky, c'est croire à beaucoup de choses, la révolution mondiale qui va arriver, etc. Moi, je crois pas à tout ça. Mmh. Je suis quelqu'un qui veut changer les choses dans la société française, qui veut les améliorer. Mmh. Enfin, t'es soutenu par tonton. C'est vrai qu'il t'a dit... C'est pas moi. Ils vous en feront voir de toutes les couleurs, mais vous ne changerez pas d'idée, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il t'a dit ça? Il m'a dit ça, oui. Au ouais. début de mon élection, il m'a dit il faut affirmer sa personnalité. Est-ce que finalement, toi, tu veux toujours refaire le monde et puis tes amis ont fini par s'en satisfaire, quoi? C'est un peu ça le problème, non? Disons qu'il y en a qui sont fatigués de vouloir refaire le monde. Ouais. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'on peut encore changer la vie? Est-ce que tu crois encore à changer la vie? Oui. Comment, par exemple? Donne-moi un exemple précis. Augmenter les infirmières, d'accord, mais donne-moi un autre exemple précis. Bah, par exemple, inventer une nouvelle civilisation des villes. Mmh. Faire que, par exemple, les crèches soient ouvertes plus souvent. Faire, par exemple, que les commerces soient ouverts plus tard le soir. Mais tu as des problèmes avec la CGT, là? Bah oui, d'accord, mais il faut prendre les problèmes à bras le corps. C'est pas favoriser les capitalistes qui possèdent les chaînes de commerce que de demander que ça soit ouvert le soir ou le dimanche ou... Non, mais ça peut aussi améliorer la vie des gens que de faire que, par exemple, tous les services de vie conviviale soient ouverts le plus tard possible, et puis ça peut créer des emplois à l'arrivée. Tu penses pas que les gens, si le dimanche en plus ils vont faire des courses alors qu'ils sont déjà bouffés par la société marchande, tu penses pas que c'est emmerdant? Non, je suis pas de ce genre qui pense pas ça. Que le dimanche est réservé au jour du Seigneur. Quand tes parents sont partis d'Algérie, c'était à cause donc d'une poussée d'antisémitisme, et aujourd'hui en France, on peut pas dire que ça soit franchement l'inverse. Je suis pas de ces parano qui pensent que les juifs sont destinés à toujours être les persécutés de l'histoire, mais c'est vrai que ça peut recommencer dans des périodes difficiles. C'est un bon exutoire, le juif. C'est plus l'arabe en ce moment. C'est l'arabe et le juif, ça en fait un peu plus. Quand t'es arrivé en France, t'habitais où? À Rosny-sous-Bois. C'était dur comme époque? Non, c'était pas dur, c'était bof. Quoi. Mais dans ces années-là, t'as pas eu envie d'aller t'installer en Israël, par exemple? Non, jamais. Pourquoi? Jamais, j'étais français et j'ai jamais pensé que j'avais un autre pays que la France. Donc ça m'est jamais traversé les yeux. T'écoutais quoi comme musique à l'époque? Moi j'étais très yéyé, hein. J'étais très ah années bon 60, Transistor quoi, salut les copains. On était prêts pour le blind test alors? On va essayer quoi, je suis traumatisé par ce type. Franck Alamos. Bravo, bravo. Suivant. Ce soir je serai. Sylvie Vartan. Bravo. Merci.
La nuit viendra bientôt. C'est pas Pascal Danel? Ouais. Le neveu d'Alain Perfit. Tu le sais ça? Non, je sais pas. C'est pas dur. Ça c'est de son pays, c'est pour ça que je lui ai mis. C'était... Elle m'avait promis de m'aimer. T'entends l'accent quand même. Même à moi qui ai touché. Mais d'autres avaient ce que moi, moi je n'ai pas. Et quand on criait là, mon nez, non, c'est vrai. C'est un groupe de pieds noirs qui était managé par un curé. Bon, on l'a eu alors. Ouais. C'est les missiles. Ah non, je peux... Sacré dollar. Si le soir descend enfin et départ les ailes du vent. Pour faire ça, ils sont deux quand même. Quelle horreur. Les étoiles, vous nous laissez le temps. Quand les fêtes s'achèvent, non, je connais pas ça. Je connais pas ça. Non. Je suis pas très branché ce genre de musique là, comme ça. Moi j'ai envie de voir des gens qui connaissent pas. T'aurais reconnu toi? Ouais, parce qu'on se fait bousiller la tête avec ça à la radio, mais. Je sais pas. Je crois qu'on peut humer aussi les mecs qui chantent. Hein. Ouais. Hein? Ouais. Vieille du monde. Début de soirée. On lui aura tout fait, Marc. Ah oui. Ça, c'est Dominique Cancien, non? Voilà. Oui. Voilà. Pour Australia, voici Agnès Soral qui renvoie bien les balles. Alors, il y a déjà une légende Agnès Soral, tu sais ça quand même? Non, je savais pas. C'est laquelle? T'avais 14 ans, t'habitais sur le palier de Thierry Lafronde. Enfin, c'était ton voisin de palier, disons. T'habitais pas sur son non, palier. Il est passé dans mon quartier. Ah bon? Ouais. Mais c'est vrai cette histoire? Oui, c'est ou vrai. Ou c'est des trucs plus. De journalistes? Bon, quand on raconte, ouais. Des fois on non, en rabat un peu, mais c'est vrai. Un jour j'ai vu passer Thierry Lafronde avec un pantalon, je me souviens nul. Ouais. Enfin, pour Thierry Lafronde, ouais. On s'entend. Ouais. Et donc, je lui ai demandé bon, où est-ce qu'il avait mis sa fronde, sa petite culotte. J'adorais le petit ouais. Côté. Le petit... Ah ouais, je trouvais ouais. Ça très sexy, ouais. Moi, la queue de bouffante. Bon, j'avais 4 ans, donc ça me rappelait un peu quand j'étais bébé. Et quand tu l'as vu, tu as décidé de faire du cinéma, c'est du théâtre? J'ai appris, je dis toujours que c'est parti d'un quiproquo. Je pensais que jouer, ça voulait dire s'amuser. Ouais. Bon, il y a une plaisanterie, mais aussi, au fond, j'ai découvert là, qu'on pouvait faire un métier comme dire, ça, un peu magique, ouais. Où on peut prendre la personnalité des gens, ouais. Se cacher derrière un personnage, je trouve ça pas mal. Depuis que tu fais du cinéma, tu as déjà rencontré une personnalité que tu aurais voulu garder? Je te la fais chancel, là, tu vois. Là, ouais. Là, c'est comme question, si tu veux, c'est à chercher, ça. Ouais. Hein? Non, mais c'est intéressant, ouais. C'est vrai que parfois... Parce que on des est... fois, tu t'es dit, je voudrais rester cette fille-là. Ou ce mec-là, c'est très j'ai pas eu suffisamment de ouais. Rôles conséquents et de composition pour pouvoir penser ça, mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui m'ont aidé à développer une certaine agressivité. Par exemple, c'est sûr que Tiens Pantin, pendant un moment, j'ai vu la vie différemment. Des fois, on n'ose pas. Des fois, j'ose pas être négative. Je me dis faut être positive. Je suis un peu ringarde. Ah, je suis parfois un peu... Et alors après, t'es venue à Paris, t'as eu 2 ans de galère. Alors après 14 ans, c'est toujours la légende, de galère, là. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Et tu faisais quoi, je veux dire, tu vivais ouais. Comment tu... Est-ce que tu es restée digne, d'abord, malgré ta pauvreté? J'ai, oui, oui. Ah, elle faisait des ménages. D'accord, elle faisait des ménages. La France entière pleure. J'ai gardé des enfants, j'ai donc fait le ménage, j'ai fait des défilés du prêt-à-porter en dansant. Ouais. Revendu des toiles merdiques sous prétexte que ça avait vaguement le nom d'un peintre connu. Ah, d'accord, mais c'était pas le même quoi. Picasso, c'est il suffisait de changer, de mettre une petite dorure. C'était un peu au poids parce qu'il fallait vraiment que ça. Alors après, tu allais vivre chez les punks pour te préparer à ton rôle. Oui, il y a des gens qui disent que j'ai vécu 6 mois. En fait, je suis passée
Ouais. Pas tellement, parce que bon, après une descente de flic, après une descente de rockers, tout une ça. Une descente de poudre, une descente de voilà. Comment c'était. Il y avait la réalité dépassait un peu la fiction, donc c'était un peu dur de dormir habillé avec une petite barre près de son lit, etc. C'était sympa, mais enfin des fois c'était du style, tu te balades avec quelqu'un de sympa et d'un seul coup tu te retournes pour regarder quelque chose, t'entends un bruit de vitrine brisée et c'est l'autre qui a juste vu un super blouson dans une voiture et tu te retrouves à courir avec une sirène alors que t'es en train de te détendre. T'étais bien dans ce film. Ouais, le film était bien, c'est facile d'être bien dans un bon film. Là, je veux dire, t'as une réputation quand même dans le métier, faut bien le dire. C'est de faire sérieusement le service après-vente. Moi, j'aimerais préparer la promo, mais vraiment sérieusement, comme un... Alors, faisons la promo sérieusement. Comme un show, je sais pas. Dans un film qui s'appelle Australia. Avec Jeremy Irons, Fanny Ardant et Jackie Cario. Ouais. Et c'est l'histoire d'une passion. Et moi, je suis... Bon, moi, je l'ai vu, mais dis-moi, par exemple, si tu devais m'envoyer le voir, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que... J'ai répété ta promo, donc tu sais exactement ce que... Ah non, j'arrive pas à faire ça, non. Comment tu m'enverrais le voir, ce film? Dis donc, tu m'as trouvé comment? Super. L'acteur, il voit que lui. Super. Les autres, non, mais toi, vraiment. C'est terrible. Non, il est très bien, ce film. Alors dis-moi, vends-le-moi, ce film. Il faut que je le vende. Bah ouais, t'es là pour ça, je suis pas là pour rigoler. Bon, il faut aimer Fanny Ardant. Maintenant, il y a les pour et les contre Fanny Ardant. C'est quelqu'un qui ne peut pas laisser indifférent. Et puis, il y a Jeremy Irons, qui est quand même un acteur qui a fait ses preuves dans Mission et dans... Comment ça s'appelait, les jumeaux ? Swan. Swan aussi. Et puis, bon, Jackie Cario, moi, je pense que c'est un de nos meilleurs... C'est sympa avec les copains, c'est tout ce que tu dis jusqu'à maintenant. Non, enfin, oui, d'ailleurs, ça fait un peu César. Ça fait télé, ça fait actrice qui vient à la télé parler de son film, si tu veux, c'est sûr. Donc, je vais me taire, on va parler d'autre chose. Et toi, ça va? Ben, ça va pas mal. On a repris le collier, ma bonne. Je me demande ce qu'il peut bien rester de Hervier, toi, chez quelqu'un qui est parti 20 ans. Vrai dire, pas grand-chose. Je connais des tas d'histoires sur vous. Vous voulez que je vous en raconte? Non, merci. J'espère que vous avez d'autres sujets de conversation avec Julien. Mais qui vous dit que c'est lui? De toute façon, mon informateur se fait un peu rare en ce moment. Il n'y en a que pour vous. Pour vous aussi? Vous savez qu'il vous observe maintenant? Non, vraiment? On arrête déjà? Je meurs de soif. Qu'est-ce que vous buvez? Un petit vin. Dans mon horoscope aujourd'hui, il y avait marqué « Rencontre agréable dans la soirée ». Je crois que c'est toi. Ah oui. Ouais. Je sais pas pourquoi, je le sens. Alors on va faire l'interview « Oui, non ». T'es prêt? C'est une poupée. Est-ce que tu penses, tu réponds que par oui ou par non? Ah, non. Est-ce que tu penses que, est-ce que tu penses que tu mérites ce qui t'arrive? Non. Non, d'accord. Est-ce que tu penses que ça va durer? Oui. Longtemps? Oui. Est-ce que si le scénariste était vraiment intelligent, tu ferais un porno soft, disons quoi? Oui, non. Est-ce que tu éteins la lumière avant de faire l'amour? Non. Ah bon? Tu l'allumes si elle est éteinte? Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire l'amour ailleurs que dans un lit? Je sais pas, il paraît que ça existe, mais je sais pas. Oui, bien sûr. Ah bon? Oui. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir le coup de foudre pour un mec et que ça passe et que ça devienne sexuel dans les 5 minutes qui suivent? Je m'en renseigne. C'est pour toi. C'est un truc, je fais semblant, tu vois, je le mets sous une forme de question. En fait. Oui. C'est personnel. Hein? Oui, bon, oui, c'est personnel. T'aurais honte si t'étais surprise par ton mec avec une autre fille? Tu imagines faire ça sur le service public, c'est scandaleux. Je te dis bon, non. Non. T'aurais pas honte? Bah non, si. Femme libérée. Ça t'est déjà arrivé, non mais...
Non. Bon, dernière question, est-ce que tu t'aimes? Oui, non. Ah bon, tu peux me dire ni oui ni non. Là, en ce moment, tu t'aimes ou pas? Non, on t'aime. Tout ce qui vient du RSS est béni, oui, oui. Surtout aux États-Unis, voici donc Boris Grebenchikov, le rocker joker superstar du plan quinquennal du Gorbatchev National Chef. Reproduit par Dave Stewart, voici l'ange de la perestroïka, God Bless Sovietica. Suddenly feels like a million years, like a million miles away from here. I can see some kind of light here, although I can't name it. But I can talk about a moonlight, I can talk about a wild child. You know that real wild one dancing alone in the middle of the world. Oh, skin tears about silence, I got a radio silence. I'm some kind of a sign in the middle of the empty field full of strangers. Tales about silence, about radio silence. I'm some kind of a sign in the middle of the empty field full of danger. It's strange, I can feel like I'm a stranger. I feel like I belong here. Feel like I've been waiting for a long time and now I can tell you some stories. Stories about a madman. Stories about a dream child. You know that one that dances alone in the middle of the world. Speech is about silence, about radio silence. There's some kind of a silence in the middle of the empty feeling. And I can give you some silence, some radio silence, or some kind of a silence in the middle of the empty field if you want it. If you want it, only if you want it. If you feel like asking a no, we can work it out together. Like a million miles away from here, I can see some kind of light here. Oh, I can name it. And I can talk about a moonlight, I can talk about a wild shadow. You know, that real wild one dancing on in the middle of the world. Oh, spinning tales about silence, about radio silence. About some kind of a side of me, a real one, empty field full of strangers. And I can give you some silence, some radio silence. I can give you some kind of a silence in the middle of the empty field if you want it. Rock Néopopov, c'était Berenchikov. Culture, mais pas cultuche, c'est la recette de ta planète, ma Lucette. Voici donc On Off, Pinacle ou Pilon, on a du loup, on brûle. Six bouquins en question, Gaston. On, Spoto Ronald, chez Albin Michel, pour son Hitchcock bio 600 pages consacrées au monstre secret, où l'on découvre qu'Alfred était aussi cochon qu'il en avait l'air. On, Christopher Frank, je ferai comme si je n'étais pas là au seuil. Quand on s'appelle Frank et qu'on est cinéaste, c'est dur de se faire un prénom dans la littérature. On, Anne Wiazemski, mon beau navire chez Gallimard, comme quoi on peut être la petite fille de Mauriac, l'ex-femme de Godard, et avoir du talent à revendre. Super On, si c'est possible, Alain Bonenfeu, mon histoire d'amour chez Grasset. C'est écrit comme on aime, aucun prix en vue, donc le livre de la rentrée, banane d'or de la semaine. Off, Pascal Guignard, Les escaliers de Chambord, Gallimard. En juillet, il était sûr d'avoir le Goncourt. Depuis, on a lu le livre. Précieux et ridicule, tatane d'or de la semaine. Off, Pierre-Jean Rémy pour Toscane chez Albin. Bien sûr, c'est mieux que d'habitude, c'est presque on. Mais de là à crier au Venise de Morant, il y a un pas que je ne franchirai pas, voyez-vous. C'était on, c'était off. La semaine prochaine, les expos. Il y en a un qui a toutes les chances d'être on, c'est Ben Vautier. T'es sur lunettes bien au chaud sous ta couette? C'est l'ardichaud. Alors Benjamin Vautier alias Ben. Oui, si tu veux.
Tu es arrivé à Nice en 49, tu as été d'abord libraire, puis après tu as été brocanteur, et tu avais un magasin de disques qui était très célèbre. Oui, oui, c'était un magasin de disques dans lequel je faisais des expos, et donc tout le monde venait, et puis j'essayais de montrer ce qu'il y avait de nouveau dans le magasin. Ce magasin de disques, un jour, il a été exposé à Beaubourg, enfin maintenant il est exposé à Beaubourg. Oui, c'est Pontus qui a trouvé que c'était une belle œuvre, et puis ouais. Moi-même aussi, parce que c'était un magasin de disques dans lequel je jetais rien, je collais tout au mur, parce qu'il y avait eu Marcel Duchamp, il y a eu le nouveau réalisme, et donc je voulais faire une œuvre d'art. Alors Duchamp avait dit « tout est art », et ouais. Toi tu dis « une fois qu'il y a eu Duchamp, tout est périmé », exactement où tout est art. Je dis que Duchamp, il nous amène dans une situation désespérée, dans la mesure ouais. Où Duchamp expose un porte-bouteille, ouais. Donc tout est possible. C'est ouais. Possible de faire du land art, du poor art, du pop art, du nouveau réalisme. Tout est périmé d'avance. On prend quelque chose et puis ouais. On l'amène, on ouais. Le périme d'avance. Ouais. C'est-à-dire que c'est accepté d'avance, donc il n'y a plus de choc. Mais moi, j'ai toujours cru qu'en art, il fallait apporter quelque chose. C'est-à-dire un artiste qui reproduit est moins intéressant qu'un artiste qui apporte. Donc, il faut apporter quelque chose. Donc, toute ma première partie de ma période, ça a été l'idée d'apporter du nouveau. C'est-à-dire que et donc, j'ai cherché du nouveau. Je m'étais dit, personne n'a fait des coups de pied au cul, donc je vais signer les coups de pied au cul. Personne n'a signé le manque, donc je vais signer le manque. Personne n'a fait ceci. Et donc, ça, c'était dans les années 58, où j'ai méthodiquement cherché à faire ce qui n'avait pas été fait, puisque je m'étais dit, l'histoire de l'art, c'est qu'une histoire des choses qu'on ne fait pas. Donc un jour, tu t'es dit, bon, je ne sais pas, Klein, il a fait le bleu, moi, je vais faire les textes, par exemple. Ça, c'était l'époque. Non, c'était très simple. Les textes, si tu veux savoir, un jour, on m'a demandé une exposition de groupe, et je me suis allé voir ce que les autres avaient exposé. Et je me suis dit, ben, moi, je voudrais qu'on regarde mon tableau. Donc j'ai écrit, regardez-moi, s'il vous plaît, ne regardez pas les autres. Alors ensuite, je me suis dit, comme ça, ils regardent. Puis après, je me suis dit, je veux dire la vérité, parce que quand tu regardes un Rembrandt, ou quand tu regardes un Botticelli, derrière le Rembrandt, si tu grattes un peu, il y a un ego. Il y a Rembrandt qui dit, regardez-moi s'il vous plaît Rembrandt, regardez-moi Botticelli, regardez-moi Bochtel, regardez-moi Beuys. Donc toute l'histoire de l'art, c'est une histoire d'ego, de moi qui crie à demander, regardez ce que j'ai découvert de nouveau. Et qu'est-ce que tu as écrit par exemple c'est... Genre, admettons, je m'intéressais à la vérité, tu vois, ouais. Je suis un homme de vérité où j'essaye de dire la vérité parce qu'il y a l'hypocrisie partout. Donc, il y a les vérités subjectives. Je suis jaloux de Beuys, je suis jaloux de Boltanski. Tu écrivais ça. Voilà, j'écrivais ça, par exemple, si j'étais jaloux. Tu as dit, par exemple, en tant qu'artiste, je suis un échec, par exemple, t'écrivais. Admettons, ouais. Je pourrais l'écrire parce que si j'avais une angoisse, j'écrivais mes angoisses. Ou alors, j'écrivais les vérités objectives, qui sont, par exemple, sur une toile de 45 cm de long, tu écris, cette toile est 45 cm de long, ou tu écris, elle est noire. Donc là, ils ne peuvent pas te dire le contraire. Hein. Ils ne peuvent pas dire, ouais, mais elle est blanche. Non, tu dis, elle est noire. Et c'est simple. Donc, ramener les choses à leur plus commun, plus simple dénominateur commun, comme on dit à l'école, tu vois. Tu écrivais, par exemple, « Je peins pour la gloire ». Parce que c'était vrai. Ouais, bien sûr. Parce que c'était vrai. Mais maintenant, la gloire, j'en suis revenu. Ce n'est pas que j'ai la gloire, mais il y a un problème de gloire qui me gêne. Je n'écrirai plus aujourd'hui « Je peins pour la gloire ». Tu écrivais « Pendant que vous regardez, le temps passe », par exemple. Oui, ça c'est vrai. C'est ouais. Une vérité objective. Ça m'intéresse. Alors, au début des années 60, tu as été tu as participé à la création du mouvement Fluxus avec Nam June Paik qu'on a reçu, avec Yoko Ono, avec John Cage, bien sûr. Alors, c'est quoi Fluxus? Parce qu'on a dit Fluxus, c'est Dada plus du vaudeville. C'est vrai ça? Tu connais un peu. C'est pas tout à fait ça. C'est Fluxus, tu vois, Duchamp, il prend le porte-bouteille, ouais. Il le met dans une exposition d'art et il le signe. Fluxus prend le porte-bouteille, il le met à la cave, boit et met des bouteilles dessus. La différence entre Fluxus et Duchamp, c'est que Fluxus essaye de faire joindre la vie dans l'art. Mais ouais. Je te dirais, c'est un échec. Parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de leur ego. Ouais. Donc ils sont toujours là avec leur ego. Et quand John Cage dit tout est musique, c'est pas vrai, il dit tout est John Cage en ouais. Réalité. Ouais. Et quand Nam June Paik ou quand les gens Fluxus viennent sur scène et boivent un verre d'eau, ils essayent de nous faire croire que la vie est art. Mais c'est pas vrai, ils nous font en fait croire que eux, ils font de l'art vie. Mais donc en restes... fin de compte, l'art de réaliser, de mettre l'art dans la vie, c'est impossible. Mais quand tu restes... Parce qu'il y a l'ego qui est toujours là à dire, c'est moi qui l'ai fait avant vous. Et à ce moment-là, c'est de l'art. Je comprends pourquoi ton canard s'appelait Bavard hein, quand même. Pourquoi? Parce que je suis bavard. Un peu. Mais c'est bien, hein? Non, c'est bien parce que tu expliques des trucs qui pour les gens ont l'air saugrenus, ineptes, et en fait tout ça est fait avec des vraies raisons, quoi. Oui, c'est vrai. Hein? Non, il y a un échafaudage théorique solide. Ouais. Hein? C'est pas la fausse nouveauté dans la mesure où n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Malgré que n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où peut être une très belle œuvre d'art. À une condition, c'est qu'on l'assume théoriquement. Il faut savoir où on met ses pieds.
aussi. Et si on devait donner une définition de toi, par exemple, tu as dit « je suis le plus grand mauvais peintre », tu crois que c'est bien ça? Non. Moi, j'aime beaucoup Jacques Lizaine qui disait qu'il voulait être un petit maître du XXe siècle raté. Mais parce que je trouve que les ratés, il faut les réhabiliter aussi. C'est vrai que tu es daltonien? Oui, je suis daltonien. C'est pour ça que tu n'as pas fait de la peinture? Je suis pas complètement daltonien. Non, non, pas du tout. Tu me vois comment, là, par exemple? Bon, ben, je te vois noir. Bon, mais ça va, alors. Tu es noir. Non, il y a les raides daltoniens, les faux daltoniens, les demi-daltoniens. Je dois être demi-daltonien. Je vois pas les marrons, les bleus, les... Mais ce sont importants. Ce sont... Et l'histoire du beau ne compte plus. L'histoire du beau, c'est l'histoire des nouveaux. L'histoire de la créativité. Ben, Rembrandt et Matisse, quand ils sont arrivés, c'était nouveau. Hein. Oui, Rembrandt, l'astuce de la lumière. Matisse, l'astuce des ciseaux. Chacun son astuce. L'histoire de l'art, c'est une histoire d'astuce. C'est des mecs qui trouvent des idées à chaque fois, quoi. Toujours. Alors maintenant, on dit « Oh, ça c'est beau, ça c'est pas beau. » C'est pas vrai. C'est toujours eu été des types qui ont avec quelque chose à dire, qui ont découvert quelque chose de nouveau à dire. Seulement, il faut se rappeler que tout ça, c'est le pouvoir qui aime se regarder dans un miroir. C'est-à-dire que si du temps des papes, on peint une bonne femme avec un bébé dans les bras, c'est parce que les papes sont au pouvoir. Si aujourd'hui on peint du Coca-Cola, c'est parce que Coca-Cola est au pouvoir. Donc je dis toujours que là, c'est exactement ce que le pouvoir veut qu'il se peigne, son propre reflet. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir sur l'art. Et je voudrais que les artistes deviennent intelligents, ils le sont. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à ce qu'ils sont, comment ils sont. Aujourd'hui, avec le bicentenaire, on est manipulé. L'histoire de l'art devient une mayonnaise. Ça devient des produits qu'on fait monter. Il y a quelque chose qui sonne faux dans le monde de l'art. Ça sert à quoi, là? Ça, je me suis demandé, là. Je vais te le dire. Moi, j'ai pensé à un moment donné à une histoire de bien-être, mais j'y crois pas. Je crois, ça m'angoisse plus qu'autre chose. À cause de l'âge, je dors mal la nuit. Si je dormais mieux, ce serait mieux. Mais j'arrive pas à abandonner là. Sometimes it's hard. En v'là du slow, en v'là. Et du bon, croyez-moi. Hispanique au top de l'Amérique. Mais ça lui suffit pas. Elle veut mériter son prénom, Gloria. Gloria Estefan. Tu danses? That the moment is here. I'll open my heart. Show you inside. My love has no pride. I feel I've got nothing to hide. So open your eyes and see who I am. Myself, myself. I don't wanna lose you now. We're gonna get through somehow. I don't wanna lose you now. Forever. And I hope that's the way it will stay. It's all up to you to tell me to go. 'Cause it won't be me to walk away when you're all that I know. We're gonna get through.
Hey Stéphane, on est fan. C'était Gloria et Stéphane. I don't want to lose you. Oh, Toulouse. Et voici Daniel Rondeau. La critique en dit du mal, la critique en dit du bien. Est-il on ou off? Il répond dans lunettes noires pour nuit blanche. C'est sa revanche, mon dimanche. Bon, Daniel Rondeau, quand tu étais responsable des pages littéraires à Libération, tu avais fait un grand article qui s'appelait « Pourquoi écrivez-vous ? » Tu avais eu 400 réponses. Et sur ces 400 réponses, il y avait Paul Bowles qui t'a dit « J'écris parce que je fais encore partie du royaume des vivants. » Parce que je suis encore au pays des vivants. Voilà. Et tu étais parti le voir à Tanger. Et tu as fait un bouquin qui s'appelait Tanger, qui a été un franc succès. Tu ne crois pas que tu étais victime du gâtisme, de la nostalgie ? Le gâtisme, de la nostalgie, je ne crois pas. Je pense que d'abord, c'était une surprise, c'était de retrouver Bowles. Ouais. Parce que quand on avait commencé cette enquête, pourquoi écrivez-vous ? C'est-à-dire, on avait demandé à 400. Un grand écrivain du monde, pourquoi ils écrivaient. Au départ, je pensais que Paul Bowles était mort. Mmh. Alors, j'avais lu un Théo Sahara, j'avais lu Après toi le déluge, mais je pensais que ça... Qui est devenu un livre culte depuis toi. Et Bertolucci est en train de tourner le film. Donc, d'une part, c'était une vraie surprise, c'était de découvrir un écrivain non seulement vivant, mais plutôt heureux de vivre, qui continuait de travailler, qui menait une vie tout à fait à part dans cette... une ville étrange de Tanger. Mmh. Et puis d'autre part, je pense aussi que c'était pour moi le plaisir de s'évader. C'est un moyen d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passait. Tu as été Mao ? Oui, bien sûr. Oui. Tu es allé t'établir en usine ? Oui, j'ai passé 3 ans en usine. Tu étais OS emballeur ? J'étais OS. Tu sais tout ? Ah ben je sais tout, oui, non, parce que ça me passionne. Puis maintenant, tu es plutôt gauche caviar. Tu es éditeur cosmopolite, raffiné, haut de gamme. Gauche caviar, ça me paraît un cliché, mais je suis éditeur, journaliste. Ça te vexe si on te dit gauche caviar ? Ça m'amuse. Mmh. Mais tu me diras, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, puis comme ça te fait plein d'expériences. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas une part de renonciation, même de reniement là-dedans ? Tu vis ça comment, toi ? Je sais pas, quand tu croises des ouvriers qui vont bosser comme toi, tu allais bosser à Maxéville ou à Pompée le matin, comme ça, tu les rencontres, ils vont en usine, tu penses quoi ? D'une part, je suis retourné les voir. Mmh. Oui, c'était l'enthousiasme. Je suis retourné les voir là, il y a un an. Mmh. J'ai retrouvé les types avec qui je travaillais, quoi, mes anciens copains de chantier. Et je me suis trouvé immédiatement de plein pied avec ceux que j'ai rencontrés. C'est-à-dire on a repris une conversation qui avait été interrompue 15 ans auparavant. Et je n'ai pas eu le sentiment ni d'avoir... Ni les avoir trahis, ni d'avoir changé. Mmh. Voilà, tu publies un bouquin chez Grasset. Alors, c'est ton premier gros roman. C'est combien de pages ? On peut faire à peu près 400 pages. Dis donc, t'as bossé comme un fou. J'ai beaucoup travaillé, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Alors, c'est l'histoire, c'est un jeune bourgeois qui, par désœuvrement, par nostalgie, par amour, devient terroriste toute sa vie, comme ça. Et puis après, on le retrouve rangé des voitures, colombophile, père de famille et... créateur d'une PME, un peu comme toi, finalement. Ranger des voitures et enfoncer aussi, c'est un peu simple. Mmh. Je pense que non seulement il a rangé des voitures, mais il s'est enfoncé quand même dans le... Il est brisé, oui. Il est brisé. Mmh. Il s'est enfoncé dans l'anonymat avec orgueil, avec délectation. C'est-à-dire il paye, il est en train d'expier ses fautes. Mmh. Je ne vois pas tellement de ressemblance entre lui et moi. Ah bon. Alors, bon, il y a eu des critiques terribles sur le style. Et c'est vrai que quand on lit ton bouquin, par rapport à Tanger, par rapport à l'enthousiasme, quand on sait que tu aimes bien les gens comme Morand, disons, c'est plutôt l'inverse, quoi. Ça, il y a eu d'énormes critiques sur le style. Et on peut se dire à un moment que tu as un peu confondu. Tu as cru que bien écrire, c'est écrire bien, quoi. Ça sent un peu le... Non ? Non, moi, je peux pas... Libre à chacun d'apprécier le livre. Moi, je peux dire une seule chose, c'est que j'ai la faiblesse de bien aimer ce livre. Mmh. Il y a eu des critiques négatives, il y a eu des bonnes et des mauvaises. Il y a eu des bonnes et des mauvaises, on va y venir. Oui, enfin, par exemple, dans les mauvaises, il y a Rinaldi qui cite des phrases. L'inquiétude qui agitait les fourreaux ivoirins de ses doigts, lui, ça le démonte, ça. Ou de sa nuque blonde jusqu'au marbre pâle de ses cuisses. Enfin, ce genre de phrases. Beaucoup de critiques ont sorti des phrases, en fait. C'est pas tellement le fond du bouquin, d'ailleurs, qui est attaqué. Personne n'attaque le fond. On attaque, dans les papiers qu'il y a eu, on attaque la voiture trouvait l'air chaud. Quoi. C'est Claire de Varieux dans Libé qui dit « t'as raté une marche », elle dit même que c'est nul.
Je pense que pour ce genre de critique, c'est-à-dire sortir. Je pense que les critiques font mal leur travail. Je ne pense pas que le travail de la critique soit de sortir quelques phrases, les couper de leur contexte, pour essayer de ridiculiser 400 pages. Je ne pense pas que ce soit ça la critique. Je ne pense pas que ce découpage, comme ça, bricolé de phrases pour. Je ne pense pas que ça soit une vraie réflexion. Un faux procès. Je pense que c'est un faux procès. Enfin, par rapport à Tanger, qui était des livres courts, comme c'est ça, l'enthousiasme, qui était des livres. Non, je pense que l'ambition, pour dire les choses simplement, ouais. Je pense que l'enthousiasme ou Tanger sont plus proches du journalisme, ou en tout cas sont des récits où l'ambition est nettement moindre. C'est-à-dire que la question du style ou des styles, parce que je pense que dans ce livre-là, Les Tambours du Monde, j'ai essayé d'utiliser plusieurs styles aussi. Donc chaque style voulait rendre une certaine situation, en tout cas la multiplicité des styles voulait rendre une certaine complexité du monde. On n'a pas, comme tu le disais, on n'a pas parlé du fond du livre. Non. Tous les gens qui ont descendu le livre n'ont pas dit un mot sur le thème du livre ou sur les thèmes du livre. Non. C'est un problème. C'est ta réponse. Non, ma réponse est... Lisez le livre. Lisez le livre et les chiens à bois, la caravane passe. Hein. Mais est-ce que tu... Je sais pas, tu cherchais pas un succès grand public en faisant un gros bouquin comme ça. Le journal Elle trouve ça très bien. Françoise Ducoux adore ce livre. Est-ce que tu cherchais pas finalement, bon, on sait que c'est les femmes qui achètent les livres, à faire un livre pour les femmes? Non. On sait même, naturellement, c'est on ne pense pas, j'ai travaillé pendant 4 ans. Et comme je te l'ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et Tanger, l'enthousiasme, t'as mis combien de temps, par exemple? 2 mois. Ouais. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et en fait, je n'étais pas pressé d'arrêter, de conclure ce livre. C'est-à-dire que... et on ne pense jamais. En tout cas, je n'ai jamais pensé une seule seconde au public quand je l'écrivais. Je l'écris presque de façon égoïste. Chaque jour, enfin, quand j'étais à Paris, chaque jour, je travaillais, j'y prenais grand plaisir, j'étais content, point final. T'es la cible des dîners en ville. Ça te fait quoi? Toi qui as été adoré, d'un seul coup, de savoir que dans les dîners, les gens disent du mal de toi comme ça. C'est de la peine? Non, naturellement, ça ne fait pas plaisir. Je parle pas des dîners en ville, je parle des critiques. Les critiques ne font jamais plaisir. Mais je pense aussi que j'ai décidé de... Si je me suis reculé un peu du journalisme, c'est parce que j'avais l'intention d'écrire. Je crois que j'ai le privilège de respirer l'air que j'ai envie de respirer à Paris. Et que voilà, être de temps en temps la cible des dîners en ville, c'est peut-être le prix à payer. Changement de trip, voici Indies. T'es au courant? Alternatif, il passe dans lunettes. Indies, Indies, les Indies sont là. Voici des Indies néo-70s. Poilu, chevelu, psychédélu, le cri de la mouche, à écouter avec des lunettes. Trip sadomaso, voici Jadio. L'amour vache, ça crache. Leur truc, c'est l'amour à la hâte. Sois sage, Denis, c'est Indies. C'est ta façon de me punir, je sais, tu ne m'as pas vu souffrir. On s'est quitté il y a 3 jours. Je t'imagine le faire l'amour dans ma poitrine, mon cœur se serre, le coup porté bien sévère par la fenêtre de ta chambre. Suis-je venu pour te surprendre? Je ne sais si je m'en remettrai. J'étais venu pour te violer. Un baiser, embrasse-moi, serre-moi dans tes bras, serre-moi plus fort, baise-moi encore. Debout les damnés de la terre, qu'un son impur abreuve nos micro-sillons. Ils descendent de Thionville pour envahir la ville. Le plus punk rock du rock punk, c'est Parabellum. Et comme disait Georges Segui, si vis passem, Parabellum au fait. Ce show, c'est chaud. C'est Indies, Sylvain Bergère, bravo.
lunettes noires, vous qui pouvez transformer le jour en soir. En direct du Palace qui lasse pas, voici les lunettes de la semaine. Anti-stress, Valérie Mérès, coquine héroïne de Rouge Venise d'Étienne Perrier. Allez, on se fait une bise. Super héros des Palaces Folies du début de la décennie, Gudit Chelitan, place Saint-Thomas d'Aquin. Non mais du foie, qu'est-ce que tu crois? Oh, l'ASPA, c'est Georgina, l'infirmière de la Croix-Rouge. Terry Jones bientôt dans lunettes, après Cleese et Gilliam. Monty Python, c'est vraiment béton. Mitterrand a refusé de l'inviter au sommet des droits de l'homme, le président à vie de Sildavi, Mochkov. Aux portes de la perception, comme disait Huxley, Aldous Madus, Jim Morrison, Raymond Zarek, John Desmond, Robert Allan, les Doors. Say to you, girl, we couldn't get much higher. Le monde et nous le voulons maintenant, hurlent les Doors en 67 et ça fonctionne. Premier 45, premier tube, Light My Fire. L'Amérique fait une place au soleil, au roi lézard. Touch me Morrison, roi du rock, orgasmique. On n'avait pas vu ça depuis Elvis. The Pelvis, on ne retrouvera ça qu'avec personne. Tell me what she said. What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heaven stops the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. En 1970, Morrison annonce la fin du rêve hippie. Lors de sa dernière apparition au festival de White, il déclare « Les spectateurs sont des vampires tranquilles ». Pompé par ses fans, Morrison s'en va muet à Paris. Il atterrit en 71 au Père Lachaise, celui des poètes. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Pas Lulu, Batman, Isaac de Bancolé, Julien Drey, Agnès Soral, Ben et Daniel Rondeau. Ils étaient dans lunettes noires pour Nuit Blanche. Et oui, t'as tout compris, c'est fini. Hardisson sur la chaîne, la semaine prochaine. Night clubbing, we're night clubbing, we're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.